Et bonjour à toutes et à tous, on est aujourd'hui avec Sébastien. Ouais. De retour au Het Nieuwsblad. Ouais, début de course de saison habituelle. Ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde. Donc c'est pareil que d'habitude, aujourd'hui on va les voir 5 fois en comptant un passage des femmes. On va avoir deux passages ici et ensuite on va bouger un peu sur le parcours. On va au Valkenberg et après on finit au Bosberg, du coup qui est la dernière bosse du parcours. Et on verra les filles, les femmes aussi là-bas. Ouais. En vrai, pour l'instant un meilleur temps que l'année dernière. L'année dernière il y avait énormément de vent, aujourd'hui un peu moins. Pour parler, ton prono Seb? Arnaud Delis pour moi. Et pour dire quelqu'un de différent, on va dire Christophe Laporte. Ouais. Et on a aussi un petit troisième. Surtout pour mon père, Julien Alaphilippe. On espère qu'il va nous faire une grande course aujourd'hui. Allez, ça arrive tout de suite. Regardez en direct en plus. Allez, Alex! Allez, Julien! Petite info, à l'avant, on trouvait un Français avec Alexis Bougard pour la Cofidis. Et on a aussi Julien qui a coupé sa moustache aujourd'hui. Son bouc complet. Ouais, son bouc, ouais. Et ça fait très longtemps. Ouais. Il a environ 22 ans, je crois, aujourd'hui. Donc on va avoir du grand Julien, je pense. On espère, comme ça, il va pouvoir répondre sur le vélo. Et ça, c'est beau. On se retrouve, c'est la troisième fois qu'on va les voir pour aujourd'hui. On est au Valkenberg. Point qui était un peu plus timé, on s'est dépêché. Au final, on est arrivé large, vu qu'on connaissait par rapport à l'année dernière, donc ça c'est cool. On peut dire qu'il y a des cassures, que c'est quand même une course assez mouvementée là, avec le groupe devant, avec Hout, Laporte, Philipsen, Delis. Vraiment intéressant à voir, sachant qu'il reste quasiment 100 km et il y a quand même un sacré vent. Ouais, c'est vrai qu'on a plus froid que tout à l'heure ce matin quand on est arrivé un peu plus tôt, plus de vent et on a vu la petite attaque de Lascano devant nous. Ouais, de Lascano, ouais, juste devant nous. Avec... au niveau du peloton. Ouais. Et là, on sait pas trop ce que ça donne, mais en tout cas, c'est bien animé et ça fait plaisir. Ouais, vivement la suite. La dernière pause de l'arrivée. Allez, on se retrouve au dernier point de la journée, le Bosberg. Ouais, quand ils seront ici, bah, il leur restera 15 km environ. Pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes et pour les femmes. Donc on sera là vraiment pour la fin et apparemment c'est animé avec un très beau groupe devant. On va voir parce que d'ici que ça passe ici, ça aura peut-être changé. Ouais, sachant qu'on n'a pas encore regardé depuis le dernier passage du Lehberg à la télé. En tout cas, on peut dire que bah, y a toujours nos pronos devant, du coup, qui va gagner? Ha ! On verra bien. Bonne question. Christophe, allez Christophe, allez, 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 allez.
Allez Alex! Victoire de Jan Treichnik devant Nils Polit, qu'ils arrivent à 2 ouais. À l'arrivée. Et juste derrière, Wout van Aert qui ouais. Règle le sprint du peloton. Bon, on y était presque hein, pour... Pour les pronos, bah, toi, la ouais. Porte fait 5 et Delhi fait 10. Font top 10, mais encore une Visma très en forme. Très en déjà. Forme, ouais. Malheureusement, Julien, apparemment une crevaison et deux chutes. Ouais. On espère que c'est pas trop grave. Bah, on sait en tout cas qu'il a abandonné parce qu'on ouais. L'a pas vu passer. Pareil pour Asgreen et Sénéchal ouais, aussi. Sénéchal, il avait l'air de se tenir la clavicule. Ouais. À voir maintenant le communiqué de l'équipe Arkea, BNB. On espère que ça ira pour nos Français. Là maintenant, on attend les femmes. Ça fait environ une heure qu'on attend. Ça se rapproche tout doucement. On a échappé devant. Mais bon, d'ici là, vu ouais. Qu'on a 12 bandes de l'arrivée, ça se trouve, bah, ça aura déjà bougé. Donc allez, pour cette fin de première immersion de l'année. Voilà, première immersion de l'année terminée. On ne sait pas encore les résultats, forcément. Je vous mettrai, comme d'habitude, dans un petit coin pour voir les résultats des femmes. Bon, c'était bien cool, cette première journée. C'est bien cool. Ça fait plaisir de revoir du vélo de route. Sachant que là, notre calendrier, en plus, est chargé.
toutes les semaines à partir de maintenant, pendant un mois et demi, on a quelque chose de prévu, que ce soit en vidéo immersion ou projet autre. Donc restez connectés parce qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir. Là, on est vraiment sur notre grosse période. Et ça aussi, va être vraiment cool. Et aussi, on peut dire un live jeudi pour parler un peu de l'actu, des derniers résultats, etc., etc. Franchement, n'hésitez pas à venir. On va vous mettre les liens en bio pour venir nous voir en live et venir discuter avec nous. Et pour ceux qui sont encore là et que ça intéresse, Sébastien, aujourd'hui, s'est occupé de tout ce qui est réseau TikTok, Insta, avec pas mal de petits posts. Donc, on vous invite à nous suivre sur Insta et aussi TikTok, si jamais ça vous intéresse, sur un format un peu plus court. C'est le test en cette début de saison. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, et aussi avec le matos. Voilà, c'est ça. Allez, sur ce, on vous laisse, et puis on se retrouve la semaine prochaine, de toute façon. Pour d'autres vidéos et en immersion également. Allez, bye tout le monde.